Good morning, allez, Daniel Nexus 3, aujourd'hui, le Nishmat Richard, bonne fortune, Mazal, Claude, Israël, bonne fortune, Mazal. Si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude du Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions le Sechet Beitza, Perek Aleph, Mishnah Zalim, Bet Shamayomrim, Tavlin, Nidochin, Bemador, Shel Etz, Vamelach, Bepach, ou Beetz Aparur, ou Bet Hilel Umrim, Tavlin, Nidochin, Kedarkan, Bemador, Shel Even, Vamelach, Bemador, Shel Etz. Mishnah qui s'intéresse à définir avec quoi est-ce qu'on peut moudre pendant Yom Tov le sel ou les épices. En deux mots, moudre, c'est une melachat Shabbat, interdit, c'est un des 39 travaux seulement. À Yom Tov, alors tout achasher yarese lachem lechol nefesh, ou je ne sais plus comment on se dit, ou levado yarese lachem, la Torah l'a permis de cuisiner à Yom Tov et de faire tous les préparatifs nécessaires à la consommation des repas de Yom Tov, pas de Chol, ni, c'est-à-dire, j'insiste toujours sur ça, que dans le cadre de la préparation des repas de Yom Tov, tu as le droit de transgresser. En dehors du cadre, l'interdit revient de toute son ampleur. Si on allume du feu pour rien, on transgresse un interdit de Yom Tov. Si on fait cuire quelque chose pour une raison qu'on n'avait pas le droit de faire cuire, par exemple faire cuire un gâteau pour un goy, eh ben on transgresse un interdit de faire cuire Yom Tov, parce que la Torah a dit « Achou levado yaseh lachem, que pour votre profit à vous, Bnei Israël, vous avez le droit de cuisiner pour Yom Tov. Sinon, ça devient comme dans Shabbat. D'accord? On ne va pas lâcher trop le sujet, on va se concentrer sur maintenant la permission de moudre. Moudre, c'est un interdit à Shabbat, d'aucune manière. Il y a toutefois, si on a besoin de moudre quelque chose pour le consommer tout de suite, alors on pourra le faire avec chinouille, avec un couteau, avec le manche du couteau, celui qui veut écraser un petit piment cayenne pour en mettre, la possibilité de les friter comme ça avec... mais sûrement pas de sortir le pilon pour le moudre. Ça, c'est un format en vie, entre parenthèses, les fameuses poivriers, des poivriers où on met les grains de poivre, et comme ça, quand on tourne, ça le moue et ça le fait tomber instantanément. C'est un sourd pendant une tove. Pendant Shabbat, c'est formellement interdit, c'est un ustensile spécifique pour moudre, c'est interdit d'utiliser pendant Shabbat. D'accord? Ça, c'est pour le grand Shabbat. Maintenant, par rapport à Yom Tov, donc on a dit, de manière générale, on a le droit de faire les mélachot nécessaires à la préparation des aliments. En l'occurrence, on a le droit de moudre, si c'est nécessaire. Seulement, ce que tu pouvais moudre depuis avant Yom Tov, sans qu'il y ait aucune différence de qualité, alors on te demande de le faire avant Yom Tov, comme ça tu ne le fais pas pendant Yom Tov. En l'occurrence, on en va parler dans notre Mishnah de sel et d'épices. Le sel... Eh bien, le sel, tu peux le moudre avant, il ne va pas se détériorer. Donc, on te demande de le moudre avant Yom Tov, a priori, normalement. Si toutefois, tu ne l'as pas moulu avant Yom Tov, lorsque tu voudras le moudre pendant Yom Tov, parce que tu en as besoin, tu devras faire un grand chinouille. Le faire de manière très différente, comme ce qu'on va expliquer. Chacun, selon son niveau, Bachar Mayou Batilel. Tandis que les épices, alors, si tu les moues avant Yom Tov, elles vont perdre de leur saveur. De manière générale, le poivre avant Pessah, où il vient d'être moulu, parce qu'on a fait attention à une crotte à mettre, vous ouvrez des papiers, parce que vous évanouissez tellement que ça sent bon. Alors que le poivre qu'on garde toute l'année, il a perdu de sa saveur. À l'époque, donc, même à notre époque, en fait, si le cas se présente, on va avoir des épices fraîches pendant Yom Tov, alors on comprend tout à fait le fait qu'on ne le moule pas depuis la veille, et qu'on veut le moudre juste avant la consommation, pour qu'il soit avec toute sa saveur. De ce fait, on va être plus permissif. Chacun selon son niveau. On va parler de trois manières de moudre. La manière la parfaite, c'est le pilon en pierre. Il est robuste, il est fort, on peut l'écraser bien. En quelques secondes, on a fini tout le travail, on a bien moulu parfaitement. Ça, c'est le meilleur. Celui en dessous, c'est le pilon en bois. D'accord? Ça marche aussi pour moudre, mais ça, apparemment, ça broie moins bien et ça fait que ça diffuse moins de saveur après. Ça, c'est le deuxième niveau. Et troisième niveau, alors là, qui est le plus différent de manière atypique, c'est en fait ce que tu vas utiliser, en fait tu pourrais utiliser n'importe quoi pour moudre avec le stylo, tu vas peut-être écraser, mais enfin, tu peux le faire plus proprement, avec des ustensiles de cuisine, tu vas prendre l'écumoire qui a une forme comme ça plus ou moins, et tu vas écraser, tu vas le taper. Ouais, c'est pas l'ustensile approprié pour moudre, et c'est un troisième niveau, donc tu le fais de manière complètement atypique cette fois-ci. La Mishnah en fait elle va me dire tout simplement, regardez, selon le cas, on a deux avis Beit Shammai et Beit Hillel, on a trois niveaux. Et on a trois niveaux, et à chaque fois, il va falloir parler du sel et des autres épices. Le sel, je te demandais de faire un certain
chenouille plus conséquent, et les épices en chenouille moins conséquent. Chenouille, ça veut dire de le faire de manière atypique, de manière différente. Une différenciation. Donc, pour le sel, on va te demander de faire une grande différence. Et pour les épices, une différence moins grande. Ou peut-être pas du tout, en fait. Mais c'est là où il va y avoir Beth Shammai et Beth Hillel. Le son Beth Hillel. Beth Shammai, on va commencer par lui. Sel, niveau 3, complètement différent. Épices, niveau 2. Tu veux quand même que tu fasses un petit chenouille, même si tu peux le faire pendant même temps, il n'y a pas de problème. Mais je veux pas que tu le fasses de manière trop chol. D'accord? Trop profane. Prends-le avec le pilon en bois, ça marche aussi. Et fais-le, mais pas le pilon en pierre. Tandis que Beth Hillel, il va te dire non, il faut que les épices, t'as le droit. T'as le droit, tu fais même avec le pilon en pierre. Et le sel, tu vas devoir faire un chinouille. Et bien fais-le avec le pilon en bois. Ça suffira de faire ce chinouille. D'accord? Vous avez compris en fait? On a trois niveaux. Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai va nous dire pour le sel, tu fais niveau 3 et les épices niveau 2. Et Beth Hillel, il va me dire maintenant pour le sel, tu fais niveau 2 et pour les épices niveau 1. Vous avez compris toute la Mishnah, maintenant regardez, on fait tout ça dans les mots, et on a fini les Hachem. Beth Shammai, Omrim, Beth Shammai enseigne, Tavlin, les épices, Nidochin, on les mou, Bemador Shel Etz, avec le pilon en bois, Vamelach, et le sel, Bapar, avec un ustensile en argile, une sorte de cuillère en argile, je ne sais pas exactement ce que c'est le par, c'est en argile en tout cas, ou bien Obe Etz Aparur, Etz Aparur, c'est le... littéralement, c'est l'écumoir tel que c'est expliqué. C'est pour touiller les plats, c'est une sorte de louche. Alors, mais nous, ça ressemble plus à un écumoir comme ça. Mais en fait, tu peux l'utiliser pour écraser. Mais en fait, le mot rapporte que le mot etzaparur, ça vient de la chaîne les farères, c'est au nom du ran qui le rapporte. Les farères, c'est émietter. On l'utilise aussi pour émietter. L'écumoir, on l'utilise pour écraser les purées, pour émietter toutes sortes de choses, d'accord. Donc tu le feras de nouveau. De nouveau, tu feras tu moudras ton sel avec le etzaparur, avec un grand chinouille. Ça, c'est l'avis de Beth Shammai. Et Beth Hillel Omrin, Beth Hillel pense, Tavlin, les épices, Nidochin, Kedarkan, tu les mou comme il est d'usage de le faire tout à fait normalement. Bemador Sheleven, avec le pilon en pierre. La Mélar, et le sel, que tu peux le faire depuis la veille. Là, fais-le avec une petite différenciation, mais c'est pas la peine de le faire avec quelque chose de complètement différent. Ça suffit que tu prennes Bemador Shel Etz, avec le pilon en bois, c'est déjà un chinouille suffisant pour te permettre de le faire pendant un temps. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Salam.